que de chemin parcouru. Depuis tant d'années ensemble, entre l'Allemagne et la France, nous, comme Européens. Aujourd'hui, ici présents, que nous venions de Varsovie ou de Prague, de Weimar ou de Görlitz, nous sommes tous partie prenante de ce projet politique unique au monde, l'Union Européenne. Ville jumelle de Strasbourg, capitale européenne, est en quelque sorte la métaphore de ce projet. Ville ravagée par la guerre, dont la Frauenkirche, cette église bombardée en 1945, puis reconstruite en 2005, dresse vers le ciel un message d'espoir. Dresde, devenue tout entière, phénix et leçon d'espoir, une ville d'histoire qui a su se projeter vers l'avenir, et prendre le virage des 30. Dresde, qui a vibré la première à chaque inflexion du siècle, des mouvements de dissidence en elle plus fort, l'emporter sur notre continent. Quelle paix, quelle sécurité! En Allemagne, en France, en Pologne, en Lituanie, en Roumanie, si la loi du plus fort prévaut en Ukraine. Quelle paix, quelle sécurité! Si la charte des Nations Unies est foulée aux pieds à quelques centaines de kilomètres d'ici. Aucune. Alors je vous le dis, oui, en Ukraine, c'est bien notre sécurité et notre paix qui se jouent. Le quatrième pilier, c'est de sortir de la naïveté. C'est un réveil stratégique. L'Europe est le dernier endroit où nous sommes ouverts au reste du monde, sans préférence européenne, sans règle. Allez en Chine, allez aux États-Unis. Nous commerçons, nous voulons développer le commerce. Mais il y a des préférences nationales. Alors je vous le dis, nous avons besoin d'avoir une stratégie européenne qui bâtisse une préférence européenne en matière de défense, en matière d'espace, qui bâtissent une stratégie d'achat européen et qui permettent d'avoir des règles commerciales qui bâtissent... Et donc oui, vous l'avez compris, ce modèle de croissance européen nouveau repose ces cinq flèches, ces cinq axes, mais au fond, c'est une ambition redoublée. Ne doutons pas, il allait séduire partout, se répandre à travers le monde. Et regardons-nous aujourd'hui. Regardons autour de nous la fascination pour les régimes autoritaires. Regardons en Europe le moment illibéral que nous vivons. Où beaucoup regardent et se disent finalement, oublions l'autonomie des universités et la liberté académique. Cette tendance n'est pas qu'une tendance, c'est une réalité en Hongrie. Cela a été une réalité jusqu'à l'élection formidable en Pologne. Et partout dans nos démocraties, ces idées prospèrent, poussées par les extrêmes et en particulier l'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous. Et nous-mêmes, en quelque sorte, nous n'avons plus la même forge des opinions. Unsere Meinung der Stehen, vor großen Herausforderungen, vor Veränderungen, die uns entstiegen. Klimawandel, Polarisierung der Gesellschaft, ein Erstarken der Extreme, wie der Krieg aus unserem Kontinent, Angriffe auf unsere Demokratie, auf unsere Werte. Wirtschaftliche Veränderungen. Nichts scheint zu sein, wie vor. Wir Franzosen stellen uns die gleichen Fragen wie die Deutschen. Bei all diesen
Veränderungen gibt es aber eine Konstante: die deutsch-französische Freundschaft. Gemeinsam, nur gemeinsam, können wir diese Herausforderungen meistern. Deutschland kann auf Frankreich zählen. Frankreich zählt auf Deutschland. Europa kann auf uns zählen. Wir zählen auf Europa. Erlaubt mir, lieber von Walter, dich zu zitieren. Das Grundgesetz ist keine Bilanz, sondern ein Auftrag. Es ist nicht das Ziel, sondern der Kompass. Ich möchte noch hinzufügen, unsere Demokratie, unser Europa ist keine Bilanz. Es ist ein Auftrag. Europa ist nicht das Ziel, sondern der Kompass. Europa ist schaffen, das ist eine beständige Aufgabe. Wir sind dessen fähig. Sie sind dessen fähig. Denn Sie sind die neue Generation, die das Europa von morgen errichten wird. Ich zähle auf Sie, genauso wie Sie auch auf mich zählen können. Ich zähle auf Sie, dass Europa seine eigene Stimme erhebt. Es ist die Stimme des Humanismus, der beginnende Macht in einer Welt der Unordnung, die Stimme der Solidarität mit den Schwerenden, die Stimme des Teilens und der Verantwortung gegenüber unseren Verbündeten. Ich zähle auf Sie, dass Humanismus weiterhin unser Leitfaden bleibt. Er macht unser Europa zu einem Kontinent der Zivilisation und des Friedens. Ich zähle auf Sie, nicht der Versuchung der Spaltung und der Hegemonie zu erliegen, sondern sich für Freundschaft und Zusammenarbeit zu entscheiden. Ich zähle auf Sie, unsere Zukunft zu prägen. Ergreifen wir diese Chance gemeinsam. Stützen wir uns auf die Komplexität unserer Vergangenheit, auf die Komplementarität unserer Stärken. Stützen wir uns auf unsere enge Verbundenheit. Errichten wir ein mächtiges, ein souveränes und ein humanistisches Europa, ganz nach unseren Devisen: Einigkeit, Recht, Freiheit, Liberté, Egalité, Fraternität. Et je compte sur vous. Es lebe Deutschland. Es lebe Frankreich. Vive l'Allemagne. Vive la France. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande. Es lebe Europa. Vive l'Europe.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes très heureux. Je vous remercie.